C'est le cricket ce soir. C'est une équipe française d'heureux qui est dans le final contre une équipe d'Angleterre, Hornchurch. C'est le crunch de cricket. Première balle, c'est de Hankins. Et c'est... Hamza Niaz qui a joué, qui marque un premier point. Ok, c'est Hankins, un des deux Hankins dans l'équipe Hornchurch. Et ça va être 4 points. 4 points, c'est ça. 4 points, le premier 4 points de Naby. Mais ici, si on fait un injouable, c'est un point. Et vous voyez à côté du batteur, en bleu, le premier 6 points de Naby. Et voilà, il est lancé pour la soirée. Ça aide. Ça, c'est très utile avec pour le avec tous les nombres que vous voyez à l'écran. Super tir encore. Et c'est encore un 6 points. Il faut savoir que Hankins est vraiment le lanceur principal de Hornchurch, donc là il marque vraiment un gros coup de reux en attaquant comme ça dans cette première manche. Voilà. Ah, il n'a pas très bien touché. Peut-être un problème. Le catch est raté. Il n'a pas réussi à attraper la balle au vol. Alors on rattrape comme un peu au baseball. S'il attrapait la balle au vol, Naby aurait été éliminé. On perd le rythme et tout ça. Oh, super bien touché. Encore un super tir et encore un 6 points de Naby. Ouais, plus d'espace pour attaquer. Elle s'est soulevée la balle. Et non, encore un 6 points. Encore un 6 points. Ouais. Encore un 6 points de Naby. C'est incroyable ce début. Vraiment magnifique. Griffiths qui est sous pression avec 17 points donnés déjà en seulement 3 balles. Il a été éliminé. Et ça, c'est énorme. Tu vois la réaction des supporters anglais. Dommage. Beaucoup de tristesse, mais ouais, bien joué de la part de Naby. Il le sait. Il finira donc seulement deuxième top scorer de la compétition. Mais quelle compétition pour lui. Mais voilà. Oh, ça va être un 6 points de Hamza Niaz. Pour le batteur, avec les lanceurs plus rapides, on peut utiliser la vitesse. Très bon tir. Le premier 6 points de Nissar. Le capitaine de l'équipe de Dreux. Niaz. Il est éliminé. Et on voit la joie de Hornchurch, des joueurs de Hornchurch. Hamza, donc 14 points, 8 balles. Ok, ça c'est un peu différent aujourd'hui. 100 points de moins qu'hier. Mais Dreux est quand même dans une très très bonne position. Ouais. Mais ça c'est bien pour Hornchurch, Mark James. Qui a très très bien batté aussi dans cette compétition. Et dès sa première balle, c'est ceux qui nous habituent à ça. C'est énorme ça. Il a marqué 257 points en... Vraiment, vraiment pas beaucoup de balles dans cette compétition. Seulement 95 balles pour cette 250. Wow. Ouais. Bienvenue. 31 6 points, c'est ce 32e. C'est-à-dire qu'il met un 6 points toutes les 3 balles. Ça serait 170 et ça serait beaucoup, beaucoup trop. Et elle s'est encore soulevée. Cette fois-ci, c'est attrapé. Et Rafe, c'est vraiment encore une fois une très, très grande élimination. Comme je vous disais, c'était l'homme dangereux pour Yalpesh Vijay. James. Et super tir de Nissar encore. Ça va passer pour 6. 6. Nissar, le capitaine qui est vraiment en train de faire la différence maintenant. Nissar, ils veulent le 5 ans. Aïe, il a un peu trop soulevé peut-être celle-là. Est-ce que ça sort? Non, ça sort pas. Et Malik qui avait très bien lancé, a aussi attrapé la balle. Et super. Coup dur pour Dreux avec la sortie du capitaine Nissar qui finit à 48. Malheureusement, il n'aura pas atteint les 50 points. Oui, il avait non, c'est bien. Et ça, c'est dans l'air. Un catch. Ouais. C'est attrapé. Il nous faut un vrai retour. Je n'en sais rien de cricket, évidemment. Ah, c'est bien. C'est bien pour nous parce que c'est un match. Ça va être... C'est un match qui est vivant. Et dernière balle qui part en 6 points. 6 points. Toi, dernière balle de Amar Zahir. Il est éliminé, il suffisait de le dire. Et vous voyez la réaction des Français. Ils savent très bien qu'ils viennent d'éliminer le joueur important.
un match différent parce qu'il chassait 190. Oui, un total énorme. Donc oh, voilà, un deuxième. Et voilà. Et Rafé qui attrape la balle, qui attrape le catch. Donc c'est VJ qui part maintenant. Surtout contre des lancers de cette qualité. Il n'a pas bien touché et c'est attrapé. Oh. Non, c'est raté. Ah, c'est raté par Amanzai. Qu'est-ce qu'il peut faire? Première balle. Oh, oh, voilà, bravo. Et c'est le premier 6 points de Hornchurch. Il est... Ah oui, oui. Oh, ça c'est dans l'air. Et c'est attrapé. Et c'est attrapé, c'est Rafé qui a attrapé. Cette fois-ci, on a Adil Malik qui est éliminé. Je pense que cette fois-ci, ouais, les carottes sont cuites. Aïe, aïe, aïe. Pour Hornchurch. Aïe, aïe, aïe. Un nouveau batteur. Oh, il a attrapé. Il a attrapé. Élimination de Creed Sense à la première balle. Et Osman Khan qui vient d'attraper. C'est le canard d'or. Ah, cette fois-ci, c'est le canard d'or, comme vous dites. Golden Duck, première balle. Oh là là. Il y aura une petite fête ce soir. Parce ah que... oui, bien sûr. Je pense qu'il y aura une petite fête ce soir et une grande fête aussi au retour en France. Ah oh, super. Oh là là, quel attrapé. Ça, c'est magnifique. Amar qui vient d'attraper vraiment un super, super catch. Oh, ça, c'est excellent. Parce qu'il partait de l'autre côté et il est revenu pour l'attraper du bout des doigts en plongeant. Exactement. Respectabilité. Oh, hey, OK. Hankins qui nous surprend quand même là, avec un 6 points. Deuxième 6. Si c'était un match de foot, c'est quoi en ce moment? C'est 4-0? Oh oui, 4-5-0 à 5 minutes de la fin, je dirais. Oh, oh, il ça l'a va eu être avec la balle nante. Ouais. Il l'a eu avec la balle nante. Super, c'était long. Complètement raté ça, le batteur. Et il va remercier les supporters comme le meilleur joueur de la compétition. 6 points. 6 points. Oh là là, à la fin, Hankins. Ils ont le champion d'Europe, ça et c'est dans l'air. Il va l'avoir lui-même. Oh, non, il la rate. Il la rate. Nabi pour finir la compétition. Et il a fini. Oh, c'est bien dans avec l'air. Un. Qui est là. Et voilà, après. Il finit bien. Le capitaine Nissar pour attraper la balle. Les deux champions d'Europe. Bravo. Et... bravo à Dreux, bravo à cette équipe française qui vient d'être championne d'Europe. Quel résultat pour les Français, quel résultat magnifique pour Dreux. Magnifique performance. Ah, c'est excellent.